rois et reines dans vos royaumes. Nous avons rendez-vous avec la grâce, car l'Esprit Saint, c'est la grâce en action. Elle ne se contrôle pas, elle ne se provoque pas, on ne peut rien projeter, mais on peut juste faire le choix de s'y ouvrir et d'accueillir ce qui vient en confiance, très simplement. Et déposer toute notion de travail, allez, chiche en cet instant, toute notion d'avoir plein de choses à purifier, et juste d'être. Car en cet instant de grâce, il n'y a rien à purifier. Tout est déjà là. Tout est libre. Le chercheur peut mourir pour devenir un trouveur. Ce n'est plus la quête, ce n'est plus la recherche, ici et maintenant. C'est juste accueillir ce qui est le trésor que nous sommes. Alors c'est pour cela que, si c'est votre choix, je vous propose d'ouvrir toutes les portes, toutes les ouvertures. Oh, il y en a beaucoup plus que ça encore. Il y en a plein des ouvertures. Plein. Déjà dans le corps, il y en a plein. Sans oublier les plantes des pieds, les paumes des mains. Le ventre, le plexus solaire, la gorge, les oreilles, les yeux, partout, le nez. Et sur des plans subtils, on ouvre, et tous les pores de la peau d'ailleurs. S'ouvrir, c'est un choix. S'en remettre au vivant. S'en remettre à la dimension plus vaste de l'éternité, de l'immensité. Et respirer dans cet espace et accueillir le nouveau à chaque inspire. Et lâcher encore plus loin à chaque expiration. Juste être, goûter le bonheur d'être un être humain sur la terre, dans un corps, dans un royaume béni. Un royaume béni. Une matière bénie. Une chair bénie. Un mariage d'amour qui reçoit le sceau de la bénédiction. Et ainsi, nous accueillons l'Esprit Saint, la colombe. Oh, c'est bien au-delà de l'image d'un oiseau. La colombe qui apporte la bonne nouvelle. Oh mon amour, prends conscience de l'accomplissement de ton être, ici et maintenant. Prends conscience de la richesse de tout ce que tu as appris, vécu, choisi. Âme de lumière, rayon de lumière éternelle issu d'un grand soleil. Une lumière qui en réalité n'a pas de commencement ni fin. Même pas de commencement. Il n'y a pas de commencement. Cela est. Nous sommes de toute éternité.
Tout en nous peut s'incliner sans chercher à comprendre. Juste être le vivant qui, ici et maintenant, s'unit à un corps de chair pour y goûter l'éternité, pour y goûter le miracle de la vie sur la terre. Yohasama. La colombe dépose son empreinte en nous, comme une caresse, un souffle, une brise légère, tellement légère, une brise légère sur la peau et une brise légère à l'intérieur du royaume, pour tous les organes, toutes les cellules. Une brise légère qui circule, libre, puissante et douce. Enfant de l'immensité. La brise d'amour, légère, légère, qui est un souffle, le souffle de l'Esprit Saint, que le mental ne peut comprendre, qui est un mystère, ce souffle qui parcourt les univers. Traverse le royaume de ton être, comme un vent léger. Tu peux tout lui donner. Laisse-toi emporter, laisse-toi traverser. Yeah.
Toutes les cellules, tout le corps, tous les organes, tous les os reçoivent ce souffle d'amour. Mais également, il circule dans nos corps subtils. C'est une caresse dans le corps éthérique. C'est une caresse pour notre aura, pour l'espace tout proche de nous. Et l'air en reçoit l'empreinte, l'amour. Et lorsque nous le respirons, c'est déjà cette vie, ce prana rempli d'amour qui circule en nous. La caresse de la colombe dans tous nos corps subtils qui prend un temps maintenant avec le corps astral, avec le corps émotionnel. Prenons conscience. Prenons conscience de ce corps émotionnel qui reçoit la paix de cette caresse, de cet amour. Oui, une caresse d'amour dans ce corps émotionnel et pour toutes ces émotions oubliées, enfouies, quelles qu'elles soient, ces ambiances, ces souvenirs, ce qui n'a pas été exprimé, tout cela reçoit la bénédiction de la colombe. Tout cela reçoit la paix. Et nous pouvons ressentir et vivre ce corps émotionnel comme un instrument de musique, avec des cordes subtiles qui ont vibré sous différentes influences, qui ont pu émettre des sons parfois discordants ou plus agréables ou stridents ou de toutes sortes de toute la palette possible. Ces innombrables émotions que nous pouvons vivre avec cet instrument. L'instrument n'est pas l'émotion, mais il la fait vibrer, il la révèle et nous permet de toucher ce qui est au fond de nous. Nous pouvons offrir cet instrument magnifique à l'action de l'Esprit Saint et laisser ces cordes sensibles recevoir cette caresse, ce souffle, cette lumière et se laisser parcourir, parcourir, parcourir loin, loin, loin profondément dans tous les âges de notre vie, dans toutes les régions du royaume. Quelle beauté que cet instrument qui peut émettre toutes sortes de musiques et que maintenant l'âme éternelle peut, pour ainsi dire, se réapproprier. Ce n'est Je cherche un autre mot, mais peut retrouver comme un cadeau.
afin que cet instrument soit au diapason de sa propre musique, de la musique du chant de notre âme, du chant de notre étoile lointaine, du chant de la source qui peut s'exprimer sur la terre, à travers nous. Le souffle de la grande mère, le souffle de l'Esprit Saint qui parcourt tout notre être, parcourt toutes les cordes de cet instrument de musique qu'est notre corps émotionnel. Partout, partout. Toutes ces mémoires, nous pouvons les offrir sans plus nous identifier. Nous pouvons les respecter, les remercier et les laisser se dissoudre dans la lumière de la colombe, dans la lumière de notre âme. En tant qu'âme éternelle, toujours plus loin, nous retrouvons l'autorité de la reine, du roi que nous sommes. Qui fait le choix d'habiter jusqu'aux confins du royaume et qui envoie le signal que rien ne sera oublié. Et si nous traînons encore des casseroles discordantes dans notre traîne, tout ce qui traîne se rassemble et reçoit également la caresse de la colombe, le souffle de la mer. Car oui, rien ne sera oublié. Nous pouvons offrir notre mental. Notre mental qui vit dans son monde, qui n'éprouve pas ce qu'éprouve le corps, qui regarde tout depuis sa fenêtre. Ce mental précieux qui accepte ici et maintenant de ne pas savoir et simplement de se mettre au service du cœur, au service de la reine, du roi. Béni soit ce mental qui reçoit maintenant la caresse, la douceur de ce souffle. Toutes nos pensées s'apaisent. Les questionnements, les doutes, les idées, les opinions, tout s'apaise. Le mental lui-même s'émerveille du silence, de l'instant présent. Et
enfant, goûte, goûte. À cet instant, te voici dans un corps de chair, à goûter la vie. Que vas-tu faire de cette journée? Que vas-tu faire de ce temps? Que choisis-tu? Que vas-tu explorer? Quels sont tes projets? Que veux-tu entreprendre? Comment veux-tu façonner ton espace, ton monde? Cette matière première que je te donne, que veux-tu, mon amour? Que choisis-tu? Dis-moi, choisis. Tu es là pour ça, pour choisir, pour explorer. Il n'y a jamais d'erreur. Tout ce que tu vis t'apprend quelque chose sur toi, sur l'être que tu es. Ô mon amour, que veux-tu? Dis-moi. Il y a ce qui te convient, ce qui ne te convient pas, ce que tu acceptes, ce que tu n'acceptes pas, ce qui te préoccupe, ce qui te rend joyeux. Il y a tout cela. Que veux-tu, mon enfant? Que veux-tu vivre? Que veux-tu explorer? Choisis, choisis. Je t'ai offert cet instrument de musique. Que vas-tu exprimer? Ne renie pas tes émotions, jamais. Accueille-les. Accueille-les. Béni soit le sel de tes larmes. Larme de joie, larme de peur, larme de tristesse. Dans l'incarnation, cela est passager. Tout est en mouvance. Mais au centre de ton être, dans l'éternité de ton être, regarde mieux qui tu es. À vivre, à éprouver, à ressentir, à penser, à choisir. Enfant de l'éternité, de l'immensité, tu t'es incarné dans le temps et l'espace. Alors, que veux-tu? Rassemble ton être. Rassemble ton être. Je suis là, en toi, autour de toi. À te réveiller, à te secouer, à te caresser. Il n'y a pas de lieu qui ne soit pas le corps de la grande mère, qui ne soit pas le vivant. Alors tu peux aller où tu veux, explorer ce que tu veux. Mais rassemble, rassemble ton être pour que ce soit vraiment le berger qui choisisse. Et non une de tes brebis émotionnelles, et non une de tes pensées. Tu es dans mes mains, tu es né dans une main, dans cette incarnation, dans ce cycle nouveau. Et tu repartiras dans l'autre
pour d'autres aventures. Et tu te tiens debout entre ces deux mains, les mains de la Grande Mère, les mains de l'Esprit Saint. Et tu marches. Et ta marche en elle-même exprime qui tu es. Ne regrette rien. Pas de regret, car il n'y a jamais eu de lieu où je n'étais pas. Pas de peur, car c'est moi qui t'ouvre les bras où que tu ailles. Le vide, oui, mais c'est aussi le plein, la plénitude de notre amour. Tu n'as pas besoin d'autres repères. Au creux de ton être, au creux de notre amour, est un espace de paix. Ayez, je suis le vivant. Je suis une âme éternelle qui a plongé dans le temps et l'espace. Dans cette œuvre d'amour où tout prend sens. Alors va, mon amour, va. Va. Voilà qui tu es. Tu n'as même pas besoin de nom, d'image, de visage, de forme. Ou alors tu prends ce visage, ce nom, cette forme et tu danses avec elle. Dans le temps. Va, mon amour, va et témoigne. Rayonne qui tu es. Et tu me trouveras, la matière elle-même te fera un clin d'œil. La matière elle-même est complice de ton élan, de ton amour. Va, mon amour, va, 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 va. Et vis. Gengeyam mala sengeyam.
Fais de ta vie une danse et de ton instrument, même de ce corps émotionnel, fais une musique qui est celle de la vie, une musique où il n'y a plus de dualité, où il n'y a plus rien qui sépare la vie et la vie. Va, mon amour, va, exprime qui tu es, qui tu es, qui tu es de toute éternité. Et danse de mille manières, de mille façons, dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu entreprends. Va, mon amour, et ouvre des grands yeux sur le monde, et tu m'y reverras, tu m'y retrouveras. J'ai tes frères, tes sœurs, dans les paysages, la nature, les animaux, les végétaux, dans le ciel, dans la terre. Tant et tant de surprises. Ne t'arrête pas à ce que les humains ont fait dans leur ignorance, dans leur immaturité. Cela n'appartient qu'au temps. Et toi, tu es l'éternité. Et toi, tu as ce pouvoir créateur parce que tu es mon enfant et que tu peux façonner ta vie, façonner ton monde. Dans les noces alchimiques, dans les retrouvailles, parce que tu me retrouves aussi dans ton corps, dans tout ce qui te semblait limité. Va, mon amour, va et vis ta danse, l'expression unique de ton être, de ton instrument magnifique, magnifique, magnifique. Va et retrouvez-vous. Frères et sœurs, retrouvez-vous, unissez vos instruments une fois que votre être est rassemblé en vous-même. Retrouvez les familles d'âmes sur la terre pour façonner ensemble un monde à l'image de l'amour que vous êtes. La flamme de vie revient sur la terre. Reviens en chacune, en chacun de vous, dans vos royaumes. Elle s'élance dans votre terre intérieure, enfin aimée, enfin reconnue et pleinement habitée. Soyez des soleils qui marchent sur la terre, en respectant tout ce qui vit. Alors, toute la traîne suivra et sera illuminée, libérée. Elle ne vous retiendra plus aux ronces du chemin. Elle sera votre manteau de lumière qui témoignera de l'être alchimique que vous êtes.
Regarde la beauté de cette vie qui est la tienne, de ton corps, quel qu'il soit, quel que soit l'âge, quelles que soient les manifestations, quelles que soient les cicatrices. Puisse la tendresse enlacer le royaume de ton corps qui est béni par sa reine, par son roi, qui en reçoit l'empreinte. Et le bonheur d'être un. Voilà qui tu es, mon amour. Ne t'arrête pas aux illusions, aux baudruches. Et si parfois il y a des épines, lève les yeux, tu verras la rose qui fleurit dans ton cœur. Et tu béniras même les épines du chemin. Voilà les amis, il n'y a pas à revenir, nous ne sommes pas partis, juste à être, à prolonger cet instant en nous regardant, en nous exprimant, en allant manger, en regardant les arbres, en vivant tout ce que nous avons à vivre, tout à l'heure en prenant la voiture, dans tout ce qui fait la banalité extraordinaire de ce quotidien. Ouais, on peut bénir tout cela.